Bonjour, مرحبا بكم chez Maison Khazana. Ça a commencé par mon petit frère qui avait une mini fromagerie lui aussi. Après, il y a aussi mes parents, mon père qui cultive la datte, donc c'est dans le sang un petit peu. Par la suite, c'était moi qui a développé ce petit concept. En Algérie, quand on va dans les hypermarchés et tout ça, on trouve toujours des fromages d'importation ou bien on est très limité dans le choix. Puisqu'il y a autant de fromages qui est produit ici chez nous, pourquoi ne pas leur donner en fait une vitrine pour exposer et vendre leurs produits ? Alors j'ai acheté ce fameux fromage là de Boussaada qui avait gagné la médaille d'or là au championnat du monde, que je voulais absolument goûter, qui est très bon. Le fameux fromage Djbel Lakhfes qui a gagné la médaille d'or, donc ça c'est un petit peu son aspect extérieur toujours dans ses herbes. Et là, il est tout nu. Il est vraiment très tendre. Regardez. Celui-là, il est vraiment un mi-affinage. Une fois qu'il aura fini sa maturation, il sera complètement coulant sur les côtés et bien ferme au milieu. Après du Djbel Lakhfes typiquement algérien, on est en train de développer de nouvelles recettes. Par exemple, on commence par celui-là. Donc ça, c'est une sorte de tom au lait de vache à croûte lavée avec du vinaigre de datte. Là aussi, on est sur un fromage, une pâte pressée toujours, donc à base de lait de chèvre à croûte lavée et elle est essorée dans un torchon. Et ça, c'est le cousin du Kanté, mais algérien. Et on en a plus de 66 artisans producteurs de fromage artisanal pour le moment.